Et bonjour, internautrice et internautateur, ici Yaden pour les jeux du signe avec Éternel. Salut! On est toujours sur Total War Warhammer 3, on est toujours contre les vilains nains. Et pour changer, on va combattre des. Vilain nom. Bien, il y en a un qui suit. C'est ça? J'étais pas sûr. J'ai eu peur de me tromper là, j'ai dit Donc on a un gros combat qui s'annonce, c'est la défense de Kislev, la quatrième je crois, avec une armée nette qui est quand même un peu biffy. J'ai beaucoup de monde, mais bon, ça va peut-être pas être, ça va peut-être pas passer sans douleur, parce qu'il y a quand même quelques trucs qui sont vraiment Peux me costauds. permettre Vas-y, permets-toi. Biffy du Sactif. Voilà. Merci, merci Éternel pour cette, comment dire? Ouais, apparemment, tu sais, moi quand je peux rendre service, Oh hein, my God. voilà. J'ai demandé avant quand même. Non, J'ai été quand même oui, vraiment enfin, pas bonne. exactement. T'as pas dit que c'était une blague de merde. T'as dit je peux me permettre. Non, non. Mais non. Ah bah après ça c'est tout, c'est extrêmement subjectif, hein, le concept de blague de merde ou C'est pas faux. pas. Bon, j'ai une bonne nouvelle, c'est que le canon à flamme est faible contre les armures. J'ai une mauvaise nouvelle, j'ai pas beaucoup d'armure. C'était indiqué sur la carte. D'accord. Enfin, que je me permettais de l'affirmer. Bon. Renfort 1,53 et 2 minutes. Ok. Oui, renfort 1,53, c'est les guerriers des clans. Hop, tac, tiens, je te 2 gérerai minutes, c'est déjà un peu mieux. ca Oh! le canon. Un Grave Guard et une Ghoul des Cryptes. Ouais. Je te laisse gérer le canon. Alors, j'ai 4 Rogues. J'ai que de Deux l'infanterie hein, orques à portée. sur mes persos. Bah ça va être à celui qui arrive à shooter le mieux. Ah putain, le problème c'est que lui il est en surplomb en plus quoi. Il est en surplomb, bah, Il est. on va commencer à reculer. Ouais mais il a beaucoup beaucoup plus de portée que moi. Ouais, mais peut-être pas à ce point-là quand même. 438, c'est sa baliste, je crois qu'il y Waouh, a enfin la baliste. 531. La baliste. Elle couvre l'intégralité de ta zone de déploiement. Enfin, sauf si on se décale dans la fo sauf si on se met dans la forêt. Ouais, mais on va décaler par là. T'fin. En plus, c'est par la clairière qu'on arrive, donc. Je vérifie son bolt thrower. Non. Bolt thrower. Ouais, je pense que même là on sera à portée en fait quand il va se tourner. Mais... Ça fonctionne pas ce placement comme ça. Je veux quand tu veux placer les unités dans un certain ordre, on est d'accord que tu les déplaces dans ta ligne sans faire de Oui. groupe et qu'ensuite tu fais un cliquer-glisser. Et même Non, moi typiquement ça marche pas en fait. Tu vois là, l'horreur de la portée est calée au milieu et il me la cale à droite. À chaque fois dans mes zones. Alors je sais pas si c'est pas Alt ou Contrôle pour. Non, même pas. Mais typiquement j'ai jamais réussi à faire les. Même à déplacer les formations sans faire des groupes, j'ai jamais réussi non plus. Ah, parce que si je toggle, non mais même en verrouillant la formation, il n'y a rien qui change. Hop, bon, et je recule tout le monde. Toi, tu Je vais peux me pas mettre te dans la planquer dans forêt la à gauche, mais forêt. le problème. Et la forêt à droite, tu peux pas te planquer dedans? Si sans doute, mais de toute façon le truc c'est que comme il a un gyro-bombardier, Ah oui, c'est pas faux. je peux planquer au jeu, de toute façon il va me détecter. Donc. C'est pour fou. Oui, donc il vaut mieux que tu te mettes à la limite sur la droite, sur la gauche. Oui. Allez, c'est parti. Hop. Ah tiens, et un coup de canon. Oh putain. C'est qui Ok, est pris? voilà. Oh la Bah c'est vache, le canon à la foudre. compétence de. Oh là. Là elle a bien touché. Ah ceci étant, ils prennent cher les gyro-bombardiers avec le canon. Alors, il s'est calé, je vais. Est-ce qu'on a perdu? Non, on n'a pas perdu de modèle. C'est déjà ça. Hop.
là ça a moins touché. Mais le problème c'est que de toute façon je peux pas toucher, je peux pas atteindre ces autres unités d'artillerie donc. Aïe! Pas qu'elle a pas planqué toi. Bah ça touche les arbres. Bon, je fous la merde dans ces armes de guerre, hein. C'est l'objectif. Bah, c'est comme ça, il est pendant ça, c'est lui qui tire pas dessus. C'est ça. C'est l'idée. Bah, je suis presque à portée sur son. Oui. T'auras pas foutu la merde longtemps, mais. Non, mais c'est pas grave. Lui, il se prend des dégâts parce que. Je suis à peine hors de portée pour ses canons à flamme. Il y a ma zone de dégâts direct. Je vais m'avancer un tout petit peu pour essayer de shooter ses canons à flamme. Et ensuite, j'aurai les renforts qui vont arriver. Il y a de la, il y a de la chair à canon dans le dos. Donc, ah voilà, il s'avance. C'est bon, il s'avance. Hop. Une autre unité. Non, ça touche. Ça fait pas grand-chose, mais ça touche. Allez, t'as récupéré ton moral. Tu l'as récupéré. Voilà. Hop. Ah, très bien, il continue d'avancer. Ah, bien, le Bolt Thrower il prend un peu là. Il continue d'avancer, il a laissé ses. Ouais, mais il a des tireurs qui te shootent dessus. Ah. Les renforts sont arrivés. Mais t'as réussi à lui défoncer son Bolt Thrower, ce qui est quand même l'essentiel. Hop. Alors, j'ai tout plein de renforts qui sont là. Ils sont là. Yes, yes. Moi je vais reculer un peu. Moi je vais reculer un peu par contre le canon. Oui, parce que là il est en train de viendre. Attends, mais je vais m'avancer sinon. C'est une autre option. Ouais, mais le truc c'est qu'il faut que je recule pour avoir une ligne de. Là actuellement je vais pas te tirer dessus dans les bois donc. Par contre. Ou alors dans ce cas effectivement tu t'avances pour que je puisse continuer à tirer sur son canon à flamme. Oui, je vais m'avancer. Je suis désolé, j'ai rien d'autre à te filer par contre. Ah non, déjà là pour l'instant je gère que le canon. Quand il sera au cas que j'aurai plus grand chose à tirer, je gérerai mes unités de. Mes monstres, et ça ira très bien. D'ailleurs, je pense même que je vais commencer à bouger. Je serais juste que j'évite son canon orc. Ah, le problème, c'est qu'en fait, je pourrais pas éviter son gyro bombardier. Qui a pas utilisé ses bombes en plus. Et lui, de toute façon, je pourrais pas le gérer. Donc non, je vais attendre un peu. Je vais rester dans la forêt. Hop. Et j'enlève la pause. Non, mais t'es pas obligé d'avancer par contre. Arrête d'avancer. Ouais, mais là du coup il recule. Et il se fait tirer dessus. Oh, il y a les gyrocopters. Il se fait déjà tirer dessus donc. Ah, mais il y a un deuxième gyrocopter. Là c'est son canon orc qui me tire dessus en fait. Aïe. Là j'ai perdu un modèle. Bim. Ah, il y a des bombes qui ont. C'est un bel échec. Ouais, il a déjà claqué ses deux, celui-là. Ouais. Et le deuxième arrive, merde, il a vu les. Ouais, c'est pas grave. Alors, t'as des tireurs ou pas toi? Ah non, t'as que de la ligne. J'ai zéro tireur, j'ai absolument que de la ligne. Si t'as d'autres questions, je veux bien y répondre. Bon, je vais essayer de les shooter avec le. De toute façon, il a pas d'attaque enflammée, c'est déjà l'avantage, mais il faudrait pas trop qu'il me balance des bombes. Bon, je vais me déplacer pour le prendre de forme du coup. Ouais. Je vais lui choper ses querelleurs et. Ça c'est quoi? C'est souffle. Et j'irai raser son canon flamme et son canon orgue après. Hop. Ah oui, donc t'as absolument rien pour gérer ces gyro bombardiers. J'ai rien du tout. Non, je te confirme. Tant pis. Il faudra qu'il se pose. Même pas d'unité volante. Non, il faudra qu'il se pose quand j'aurai plus rien. Donc il aura fui d'ici là. Bon, le canon par contre, il va fuir aussi. Bah ça m'arrangerait, parce que là actuellement c'est lui qui me. Latte le. Non mais. Notre canon à nous, oui, pardon. Okay. Oui, je te confirme, il a fui. Hop. Bon, et puis là, je vais avancer. Hop. Ah bah, de toute façon, il n'y a plus trop le choix maintenant. Il n'y a plus trop le choix. Hop. Quand faut y aller. Ces torpilles à drague de fer. Hop.
s'empêcher d'avancer. Tac. Qu'est-ce que je peux perdre dans mes héros? Je peux perdre lui. Je peux perdre lui. Prêtre de la peste. Ouais, c'est pas assez intéressant pour l'instant. Ensuite, j'enverrai toi. J'ai un chef. Je vais quand même essayer de les garder. Donc, on va aller. On va pas tout de suite aller les envoyer. Je vais envoyer. Martelier. Ils vont servir absolument à rien, je pense, les gardes des cryptes. La goule, elle est où? Là? Ah, elle est là, la goule. Ouh, elle a pris cher. Elle a dû se prendre des bombes, je pense. Ah, bah, je pense qu'elle s'est totalement pris des bombes. Elle est plus très en forme. Du coup, ne change pas grand chose, parce qu'elle n'a pas la régénération. Donc, elle est pas spécialement vulnérable au feu. Bon, bah, on va essayer de les engluer sous la masse. Hein. De toute façon. Pas comme s'il y avait vraiment le choix. C'est pas comme s'il y avait vraiment le choix. C'est pas faux. Hop. Putain, j'en ai encore là. C'est quoi qui t'arrive dessus, j'ai rebombardier. Hop. J'ai quelques consignes à donner. Ça c'est quoi, c'est les guerriers d'appeler. Même de la peste. Ah, ces canons à flammes, ils ont plus de canons. Et bah voilà. Bah, disons que je vois plus les modèles en tout ah, cas. Ah merde, j'ai des loins, ok. Ah si. Attends, non. Ils sont où leurs. Je vois je vois les modèles des canons ogres, des canons orgues. Mais je pense qu'ils ont dû lâcher les canons à flammes. Ouf. On a pris un petit coup. Hop. Bah du coup l'autre gyrocopter m'a lâché. Ouais, de toute façon le gyrocopter on va le laisser vivre sa vie. Hein. On peut rien lui faire donc. Qu'est-ce qu'il fait back on the ground? Hop. Allez, on fonce sur le canon ogre, sur le canon orgue. Ah, j'ai récupéré mes servants de canon. Allez, retournez prendre vos modèles, vous. Hop, et vous, allez charger. Il en reste deux. Hop. Ah si, ils ont retrouvé leur modèle, les canons à flammes. Ils étaient dans la alors forêt. Ils sont où? Là. Ils sont dans la forêt. Hop, là, ils ont chopé encore une unité sur la pouille. Je suis en route pour me faire le canon orgue. Ouais, non, mais de toute façon... Hop. J'ai tellement d'unités. Ouais, ces canons, ils font rien, ils tirent dans les arbres. Ah, ils sont l'ordre aussi. Waouh. Bon, les cœurs et l'heure sont en. Ah, c'est les boules des cryptes. Est-ce que j'en ai qui se touchent la nouille? J'ai pas l'impression. À part mes héros. Waouh, putain. Ah, c'est les canons mal foudre qui ont pris cher. Ouais, j'ai ces gyrocoptères qui me défoncent gentiment. Bah oui, mais... Et on peut rien y faire. Donc... Et j'y peux... Je suis pour rien. Donc... Attendre qu'ils aient plus de munitions, ce qui va être compliqué, s'ils en ont quand même 50. Il est où son lord? Il est dans la forêt. Il est replanqué, mais... Il arrive sur moi, là. D'accord. Attends, c'était toi... Je vais vous faire des marteliers. Est-ce que j'ai des buffs qui valent le coup? Résistance physique plus 10%, dégâts des armes de base et imprégnation poison. Ça, ah si, c'est qu'ils ont reculé, d'accord. Ça peut être pas mal, ça, pour toutes ces unités-là. Hop. Et je pourrais faire souffle pestilentiel. Voilà. Bon, toi, t'as même pas de sort. T'es comme l'âge de Hawaï, tu sers à rien.
Ça se fait qu'il continue à tirer alors qu'il a des rats ogres sur la gueule, son canon. Alors, toi tu ne fais plus rien. Ça fuit dans tous les sens. Hop. Il sera jamais capable de gérer tout ce que je lui balance à la tronche. Bah, je pense que t'as juste trop de monde en fait. Même moi j'arrive pas à tout gérer. Oh putain. Lui il se fait. Il va te planquer toi. Ouais, de toute façon tu fuis. Ces canons orcs sont en fuite. C'est bien ce petit sort, dis donc. En fait, les gyrocopters sont très bons contre mes héros. Tes personnages, oui, bah oui, c'est normal. En fait, c'est du tir mono cible. Merde, j'aurais pas dû. Ils sont effectivement, ils sont en train de te shooter tous tes persos. C'est ça. Ça sur la tronche. Au moins les mains. One day. Hop. Alors, toi tu as fui. Mais enfin, je ne comprends pas. Ah, il a ses querelleurs qui vont récupérer de nouveau au fond. L'air de querelleurs. Querelleurs. Ah, ils ont redisparu. Moi j'ai deux unités qui font pas grand chose là. Tiens, je vais te les filer. Ils sont derrière. Oui, bah ça me. Oui, ceux qui sont avec moi là. Derrière les clans, voilà. Bon, mais très bien, je vais les envoyer dans la forêt récupérer. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai récupéré ces saloperies de nains à arbalète là. Tiens, on invoque. Les masses. Saloperie, il vient de faire pop ses nains ancestraux là, machin. Bon, je vais juste essayer de faire en sorte qu'il ne les tue pas définitivement. Je vais les planquer dans la forêt. Bah, fais-les fuir hein, au pire. Ouais. Hop, dernière invoque. Dernière invoque. Où est-ce que je vais la mettre? T'as besoin de soutien quelque part ou pas? Non, non. Moi, je. Ce sur quoi j'étais en train de tomber, je suis en train d'essayer de me faire son lord là. Avec ses saloperies de nains éthérés, unbreakable, machin, mes fesses. Ouais, là. J'ai des. Hop. J'ai juste il y a des brise-fer que. Bon, je peux rien faire. Ah, y est, c'est bon, c'est. J'ai recopter en bientôt plus de munitions. Ouais. Il en reste encore 18 sur celui qui est au milieu. C'est un peu désagréable. Ah, oula, l'horreur de la portée, elle a bobo. Hein. Fais gaffe, c'est des brise-fer hein, sur lesquels tu. Oui, je sais, bah ils ont plus de munitions normalement. Ah, si, il leur reste encore des munitions, merde. Là, je leur pose juste le venin et je me casse. Et c'est les rats ogres qui vont prendre leur lait. Ils sont un peu plus efficaces, il paraît, pour casser de l'infanterie. Voilà. Elle tient son ordre. Si l'avantage de foutre les personnages dans les bois, c'est qu'il y a des tirs qui.
Oui, qui partent dans le vent. Qui partent dans le vent, ouais. 6 munitions et le deux premiers est vide, effectivement. Ouais, c'est bon, ça lâche. Même les briseurs sont en train de lâcher. Ah, et les renforts sont arrivés. Bah, c'est que t'as perdu suffisamment de monde. Bah, c'est con, t'as une catapulte qui arrive. Ouais, et un tireur. Et un tireur. J'avais un fondeur dans ta garnison. T'aurais dû décaler tes. Ouais, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait t'es gaffe. Garé des clans en fait. Ils arrivent après. Tant pis. Poursuivre, j'imagine. Ouais. Ouais. Qu'on peut. Ouais, non, mais il faut. Il faut clairement. Donc en dehors des gyrocoptères que on ne rattrapera pas. Ah bon? Mais si, t'as un tireur qui arrive. Oui. Les lombards d'armes lourdes, on va essayer des pécho. Les brise-fer, ils sont là. Parce qu'ils m'ont bien brisé le fer. Et ils ont pas aimé les ombres. Les raobres. Ouais, ça tombe bien. Ça m'arrange. Ça, je peux choper. Le reste, ça va être compliqué parce que je suis quand même un peu lent. Merci, peut-être choper ceux-là là, qui sont plus. Tu me donnes des raobres, il dit qu'il est lent. Allô quoi. Bah ouais 66 quoi. Ouais. Aucun effort. Alors ton raogre d'élite lui il est plus rapide. Et 77 lui. Bon allez, hop, j'enlève la pause. Advienne que pourra. Hop. Tu peux peut-être fois 4 et non. Oui. T'as des guerriers des clans qui font rien. Ouais, mais eux ils rattraperont personne. D'accord. Et une unité à moi qui fuit. Bon, comme prévu, c'était un combat compliqué dans lequel il y aurait quelques pertes. Bon, ça va. Mais ça va. Voilà, où t'as eu plus de dégâts, c'est ton canon qui a pris un peu, enfin qui a pris cher. Et tes héros. Ouais. Bon, elle, je vais laisser Régène tranquille. Toi, pas me fermer. Là, il n'y a plus personne à rattraper. Là, c'est fini. Là, on peut choper ça. Là, toi, tu continues à aller taper là-dessus. Voilà, il suffit mon monde. Ouais, c'est à peu près fini. Il reste juste une unité. Je vais la rattraper. Une unité de longue. Allez, ma grosse. Tu l'as eu. Hop, allez, poison. Finis-les au poison. Ma grosse. Non, ce sera pas suffisant. Ah, ça fait mal quand même. Putain. 170. Ah, 150, 123. 102. Ah, ils sont sortis 102. Saloperie. Allez, dernier longue barbe. Vire tes troupes, je les finirai au Raog. Hein. Okay. Mes Raog peuvent pas les toucher. Là. Si, je vais quand même laisser les frondeurs. Oui, t'es ralou, mais. Non, les frondeurs nocturnes. Qui les ralentissent. Normalement, ça reste quand même du long barbe contre du Raog. Même si les Raog, c'est parce qu'on a fait le plus rapide, ça devrait aller. Allez, 220 HP. Ouais, poète aussi. Ouais. Hop, allez, barrique. 60. Allez, 50. Dernier modèle. On va le toucher. Arrêtez de jouer avec votre nourriture, c'est pas possible ça. Mal élevé, c'est ce qu'il veut. 35, il veut pas tomber le dernier. C'est toujours comme ça. Il veut pas tomber. C'est toujours comme ça. Enlève Terra Lou, ils font rien là. Quand t'es désagréable. Bah en fait ils empêchent de taper en fait, c'est ça le truc. Ils se contentent de tourner autour. 17. Putain mais... 17? Oh! C'est ouf. C'est en mode béni. Il faut qu'il soit promu lui hein. C'est béni là. Ouais non mais tu parles de Meralou mais... Qu'est-ce qu'ils foutent ces cons? Pourquoi vous tournez autour? Mais qu'une seule... Et tapez-y dessus nom de Dieu! Ah! Victoire, possible! Ouais! On les a niqués. Allez, ces joueurs, ces petites bébêtes. Hein.
Ouais, il y a eu un peu de dégâts. Tout petit peu. Lui, il lui reste par contre vraiment plus rien. Ouais, le canon à flamme, il fait 106 quand même, hein. Bah oui, il n'y a pas vraiment besoin de ligne de tir, donc... Les marteliers qui soient 20 000. Ah, ces bricsfères, ils ont fait que 15 piles. Ouais. Pff. Ouah, les gyrocoptères. Bah oui. 37 000. 47 000. Bah non, ouais, 47 000, je pense que 47 000, c'est celui qui a lâché ses bonbons au bon endroit, lui. Hein. Et à côté de ça, notre canon, il fait, je vois plus. Il fait 2 700 de dégâts. Yes! Et c'est presque pareil. Presque. Mais ils avaient l'avantage du terrain. Et les 47 sangliers avaient mangé des cochonneries. 000, j'ai pas souvent vu quand même. Je sais plus. Oh. Attends, si, j'ai eu une résolution auto intéressante. C'est sur ma partie avec Scarbrand. Je me suis fait attaquer par une armée d'esclaves, une armée d'esclaves full. J'avais 4 unités en réseau auto, je pensais la perdre. En réseau auto, je l'ai gagnée. J'avais une unité de Blood Crusher, les démons, Ouais. qui a fait 137 000 de dégâts et 1 800 kills. Voilà. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais même Alors, pas et comment autour de c'est physiquement ça, possible, ouais, je peux, mais ils l'ont fait. je perds mes deux Ouais. unités. Bon, qu'est-ce que je fais? Vérégène, parce Putain, qu'on est je te jamais file très des morts chaud. vivants, t'arrives à les perdre, quoi. Ouais. Putain, évidemment, les seuls qui meurent, c'est ceux-là, quoi. Et en carton, ouais, c'est comme Ouais, les. non, mais en même temps, c'est parce que eux, ils fuient pas. C'est C'est pour comme ça. les blondes dans les films d'horreur, il en faut un qui Et ouais, la meurt. différence, c'est que eux, contrairement à Teskeven, ils fuient pas. C'est Bah pour ça qu'ils meurent. ouais. La garde fuit, mais la C'est légion ça. fuit, mais ne meurt pas. Et meurs un autre jour chez Teskeven. Allez, victoire décisive sans perte. Naméo. Oui, donc j'en étais. Là, je vais Vite. continuer à remonter. Chez les peaux vertes, il faut que je réintercepte Thorgrim qui va me casser les rouleaux. T'en es où ta configuration potentielle avec Morse? Alors, je vais te dire ça tout de suite. D'accord, rapide. Configuration. Moins 42, c'est reparti à la baisse. Bah, le truc c'est que t'as subi. Non, non, c'est. C'est Ah, que je sais pas. lui, il a dû recruter une nouvelle armée ou un truc comme Il ça. a Et recruté. Oui, souvent. mais toi, et toi, t'as perdu un settlement aussi. Donc t'as perdu aussi un petit peu en force. Pas beaucoup, mais. Non, Peut-être je pense pas suffisamment pour que. creuser un peu l'écart, je sais pas. J'ai jamais trop compris. Moi non plus. Et le baseline evaluation, j'ai jamais trop compris donc. Régène, c'est bien la régène. C'est toujours bien la régène. Et tu n'es plus que rang 5. Sauf pestilentiel. Children of the Plague, c'est quoi ça? Puissance des armes plus 1% pour les moines de la peste. Ouais. Flot de vermine, c'est bien. Ça, ce petit sort, il est pas mal celui-ci. Ça se lance tout seul, ça dure. Ça fait une grande zone. C'est quasiment permanent et ça donne sur une grande zone plus 10% de résistance physique, plus 5 de dégâts des armes de base et poison pour tout le monde. Poison pour tout le monde, surtout, c'est bien. C'est plutôt sympathique. Je Et vais en donner. Wurzag ne veut pas mourir. Alors, ça veut dire que Morse, ouais, il est tendu sur deux fronts orques là. Bon, toi, tu vas aller Mes relations s'améliorent avec dans Scarbrand. Prague et toi, tu vas aller dans Je suis en Kislev. dessous de 100. Il aime bien que je tape sur les nains. Il me manque toujours une unité du coup. Alors, recruter une. C'est 6 tours une abomination de Malphos En global? en global. Ah bah mais en global quoi. Toi, t'étais quoi? Oui. Toi. Ah putain, là, j'ai encore le temps de tout. 3 tours pour ça.
Il y a une horde d'hommes bêtes qui ont pop à côté de mes armées. Là. Une abomination, un Sigor, un Razor Gore, une horreur des cryptes, un Raogre, une bête de Nurgle et une Chaos Spawn. Si on prend... Mais le truc c'est que pour le coup, l'horreur des cryptes c'est pas du chaos. Donc je sais pas où est-ce qu'ils ont été à chercher, mais... Autant tout le reste, effectivement, c'est du chaotique. Mais ils ont des ghouls des cryptes et des horreurs des cryptes. Et même les Skaven, dans l'absolu, ils sont chaotiques. Pas du tout. Ça, franchement, c'est... Non. Enfin, je peux pas te laisser dire ça. Le roi Cornus est considéré comme une divinité mineure du chaos. Ce sont des bisounours. Franchement, on aime. Bah, en même temps, pourquoi pas, on peut être chaotique et bisounours. Hein. Et Zinch, il a plein d'horreurs roses, bisounours. et Slaanesh, il aime tout le monde. Donc, c'est très bisounours aussi. Alors, tout le monde a bougé. Là, ça recrute. Ça recrute à tout va. Contre cette saloperie de Tretch. Allez, on construit. Je veux ça. Bon, je vais peut-être quand même recruter de quoi faire des vraies unités. Sur un seul, je pourrais recruter l'autre bâtiment de recrutement. Bâtiment endommagé. Attends, est-ce que je m'en fous pas un peu de ça? Est-ce que vraiment je vais chercher à conserver cette zone-là? Je pense que la réponse va être non. Donc, je ne vais pas réparer ça, je vais le démolir. Hop. Qu'est-ce que je peux faire encore d'autre? J'ai combien? J'ai 20... Ah, j'ai encore 22 000 thunes. Ça devrait aller. Pourquoi j'ai gardé ça ici? Carré. J'en ai rien à scarbrander. Tac. De l'ordre public. Toujours plus d'ordre public. Je sais pas pourquoi je recrute ça là. Mais... Bon, il me reste 15 000 thunes. Comme j'ai tout construit. Eh bah, t'as bien de la chance. Je vais améliorer mon. Moi, j'aimerais bien avoir 15 000 thunes. T'aimerais bien avoir 15 000 thunes. Alors, est-ce que je peux recruter une autre armée? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Peut-être ici. Le truc, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, recruter, c'est comme ça ne coûte rien. Bah, si tu recrutes que de l'esclave, oui. Non, mais même, j'ai plein d'unités, en fait, le recrutement ne me coûte rien. Ce qui coûte. Ah, c'est... oui, c'est avec tous les buffs de. Ouais. T'en es où? Tu les fais encore d'ailleurs, tes contrats, ou t'as arrêté? Non, je m'en fous un peu. En fait, j'ai Morse qui en a un. Avec Mulder, c'est celui-ci. Tu pourrais, je disais comme ça, éventuellement supprimer Caracadrine, hein, mais. T'en oui, je sais, non, non, mais je. Mais je... du coup, en fait, le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à endiguer les Skaven d'un côté, et. Voilà, et pour ça, bah, il faut que je fasse des armées en voiture. Voilà, je m'en fais un autre là. Non, je parlais de tes mécaniques de faction. Ah oui. Mais pour ça, il faut que je sois niveau 4, c'est ça? 5.
Ah, je l'ai, il faut que pour ça, oui, mais tu vois, Snitch, j'en ai besoin en fait. Effectivement, j'y pense pas. Non, bah de toute façon maintenant c'est un peu tard, hein. Le temps que t'arrives à monter niveau 5 et à faire le truc, à mon avis, j'y serai déjà, mais. Tac. Recruter toi. Avec un autre maître. Oh, c'est une mauvaise idée. J'aime pas les trucs immunisés à la psychologie. C'est tellement bien de fuir. Change de vision de Ah mais ça empêche campagne. pas de fuir, hein. Immunisé à la psychologie? Bah, un peu quand même. Non, non, immunisé à la psychologie, ça t'empêche juste de. Ça te vire juste les debuffs de peur et de terreur. Ah ouais. C'est le Unbreakable qui t'empêche de fuir. Ah oui, pardon. Non, non, c'est pas grand chose à voir, c'est juste, voilà. Immunisé à la psychologie, c'est bien quand t'affrontes du mort-vivant, du démon ou des trucs dans le genre. D'accord. Parce que ça t'évite de succomber à la peur et à la terreur. Ok. Mais ça t'empêchera pas de fuir si tu te fais défoncer ou que ton armée se fait anéantir. Ton moral chutera quand même. C'est le Unbreakable qui, pour le coup, D'accord. est immunisé à la psychologie et à toute forme de perte de morale. Tac, tac, hop, et recrutement. Ah, j'ai plus de sous. Ah ben non, en fait, je devais... Bon, je vais recruter une lumière. Se dépense, c'est bon. Non, je mets pas de frontline comme ça, avec une armée orientée et Chine, je mets du frontline comme ça. Voilà, au prochain tour, je recruterai autre chose. Allez, fin de tour. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce C'est tour? une bonne question. Ouais, techniquement, si je fais snitch, mais ça me fait chier de le... Vu la situation, snitch, je vais en avoir besoin, quoi. Donc, Non, mais c'était. En fait, il aurait fallu que tu t'en il me occupes avant faut... Il me de. faudrait 12 tours, en Mais le truc, c'est que fait. t'en as eu besoin en permanence, t'as pas arrêté avec Snitch, donc. Ouais. Il y a eu aucun moment où il était pas sur la front line, donc. Bah, comme bien souvent les seigneurs légendaires, quoi. Ça dépend, de temps en temps, tu peux faire un bac chez toi pour upgrader ton armée, Moi, mais effectivement, toi, je ton fais armée n'a jamais pas changé ça. depuis le début. Non, Ah! moi. Qu'est-ce qu'il me veut, Rictus? Il a mis fin à notre pacte de non-agression. Ah. Ah, et il Embuscade. t'attaque. Ouf. Ah, oh bah oui, non, mais ça. Lui... Oh, il l'a même pas tué. Ah, c'est pas son erreur principale. Ouais, par contre, là. Je m'attendais pas trop. Nagash, qu'est-ce qu'il veut? Non, je veux pas d'alliance défensive. Et moi, il me propose même pas. Je peux? Il me propose pas. Ah, avec la ronde, ça y est. Ah non. C'était juste un checkpoint. Karazek-Karak. Ouais, évidemment, ils font une sortie. Qu'est-ce que je veux? Non, moi je fais jamais de pause avec mon serment légendaire en fait. Si je veux améliorer son armée, je le fais. Tu fais Je des caravanes? fais de l'échange de troupes Ouais, c'est avec un ça. autre seigneur, quoi. Mais où j'utilise les unités de renom. Bah, c'est ce que Donc, j'ai fait là. est-ce que ça se tente ça? Mais en fait, dans toutes mes parties, c'est un peu comme ça. C'est un légendaire, je. Il trim, il a pour en chier. À mon avis, ça se tente. Est-ce que t'es. C'est Carac Drone? Karakdron qui fait une sortie. T'es au courant que t'as Thorgrim dans ton dos là? Oui, t'inquiète pas, je sais, mais c'est pour ça que j'ai mes deux armées juste à côté. D'accord. Quand il m'aura pris Iron Rock, je vais lui retomber dessus, je vais lui péter sa bouche. Bah Bon, tombe. allez, on la tente. C'est quoi qui. Bon, t'as une armée plutôt sympa là? J'ai une armée plutôt sympa, c'est toujours ces gyrocoptères de merde qui me font chier, mais là j'ai de la Wargeist pour les Du gérer. Wargeist, franchement, je vois pas. Les gyrocopters, c'est. Je veux dire, on s'est fait surprendre la première fois qu'on est retombé dessus. Quand t'as repéré quel était le problème, ça peut faire mal. C'est
C'est Bah oui, pas. on l'a vu sur ta bataille, oui. Ouais, ça m'a buté une unité de ghoul, quoi. Enfin, ça, la moitié d'une unité de ghoul. Ok, c'est bien. Ils ont Mais encore. fait 70 000 points de dégâts, eux deux, Joe. Ouais, mais. Ils ont dû buter un peu plus que de la goule. Ils étaient à 180 kills et 250, quoi, donc... C'est un détail. Oui, du gros détail, là, quand même. Oh, attends, tu vas Non, bon, le je pense que défoncer. ça devrait se faire. Sachant que t'as deux C'est Wargeist. pas du zombie que j'ai, en plus, donc... T'as deux Wargeist, franchement. Mon lord vaut pas grand-chose, mais... Ouais. Pas trop ce que ça donne les Vargoulf, et puis on a encore jamais essayé les Morgul, donc les Mandgul. Ah, c'est moi qui ai l'avantage? Non, t'es en défense. Non, je parlais Du je terrain. parlais du terrain. Il semblerait. Bah, le truc, Non, c'est que je sais pas s'il va c'est en avancer parce pente. C'est que. en pente. Vu qu'il a une Oh oui, catapulte. on la connaît cette map. Ouais, mais tu mets quelques unités fufu dans un coin là où tu peux en mettre une ou deux, peut-être. Ah non, non, tu peux pas, pardon. C'est pas possible. Tu pourras pas te planquer. Non, tu pourras pas te planquer. De toute façon, on a déjà joué celle-là. On la connaît. Sans doute, elle se confond un peu toute dans ma tête au bout d'un moment. T'as trop joué ce jeu. Bon, ceci dit, il faut que je fasse gaffe avec. Non, je vais plutôt les mettre au milieu des. Oui, c'est une armée secondaire celle-là. Non, non, mais mes deux volants. Oui, pas les parce que les querelleurs vont leur les querelleurs vont leur faire du mal. Vous allez vous. Oh, les loups dans le bois, c'est pas mal. Pourquoi j'en ai un qui a 23 et l'autre à 57? Parce qu'il y en a un qui est d'élite. Ah ouais, il a vachement plus de PV. Et mais beaucoup moins de modèles. Mais beaucoup moins de modèles. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo comme Et il est truc. anti-large. Ce qui ne sert absolument à rien contre du nain, mais. Ouais. Je suis pas Alors, certain que ce soit une très très bonne idée d'avancer toutes je mes goules faites. pense même. Enfin, le truc, c'est que oui, il a sa catapulte, donc de toute façon, il va avoir une certaine capacité pour te. Voilà, ou sinon je recule à fond pour parce que je sais pas s'il sera à portée avec sa catapulte dès le début en fait. Sans doute pas. Ouais, c'est peut-être mieux, sachant que tu vas quand même relativement vite. Moi, je vais me mettre là. Ouais, sauf qu'il a des gyros donc il va nous détecter avec ses. Il risque de voir, mais c'est pas très très grave. Hop. Je vais mettre les trois qui tapent ici. Ah, tu les fous en plus dans. Oui, mais il voit les Graveguards de façon à ce qu'il voit quand même quelque chose pour qu'il Ouais. puisse avancer. Hop. Oui, effectivement, tout ce qu'il y a dans la forêt, il va le détecter avec ses gyros au court terme. Ok, bon allez go. On va voir ce que ça va donner comme ça. Ok, ça donne rien du tout. Oui, il s'est déployé au fond. Ça là. Ah bah attends, pause, 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 pause. Mais je suis à portée, d'accord. Ouh, putain, tu as échappé belle. Hein. Son coup de canon, il est passé exactement entre les deux Vargulf. Ouais, bon. C'est bon, j'ai envoyé mes. Ah putain, ces gyrocoptères sont là! Oui, mais c'est bon, j'ai justement, ils sont pas loin des. Ah ouf, bah nickel, oui, ah oui, ils sont en avant-garde? Ils sont Comment en ça se fait? avant-garde. Bah écoute, je sais pas trop. Ils ont pas des déploiement d'avant-garde pourtant? C'est cheaté, je sais pas. Bah. Passons. Bah du coup moi je vais foncer avec mes ghouls sur tout ce qu'il a en bas là. Il a tous ses tireurs Ah, il s'est déployé vraiment bizarre, quoi. en un seul paquet, mais vraiment tous entassés les uns sur les autres tout en bas. Bah ça c'est pour moi. Je vais rush aussi avec tout le monde. Hein. Oui bah de toute façon il faut hein. Mais c'est juste qu'il C'est faut que je même traverse la carte pour ça, mais. il bon les vargules ça va vite hein. C'est bon, c'est C'est à bon. 80 de vitesse. Hein. Bon, Vas-y, bah, du go. coup, je vais avancer avec ce qu'il me reste de troupes Ouais, aussi. ça roule. Hop.
Allez. En avant, Guingamp. Ah, tu fonces sur ces tireurs aussi, toi? Ouais, bah, écoute. Ah, il fait demi-tour avec ses bombardiers et ses gyrocopters. Help! C'était pas ça qu'on était censé affronter! C'était pas prévu, chef! Hop, il y a sa catapulte qui tire. Dans le vide. Cet impact que ça va faire. Le Black Coach, il y a peut-être moyen qu'il se fasse plaisir là. Comment ça va impacter là? En plus, il y a bien la pente. Ouais, il sait absolument pas comment se positionner. Ah ouais, ça va carrément vite en fait. Bon, il a quand même aussi ses guerriers qui foncent du coup. Bah, je vais engluer avec mes ghouls des cryptes, hein, elles sont là pour ça. Mais oui, c'est pas souvent que je l'ai vu faire des déploiements de merde comme ça. Hein. C'est concept. Alors après, si éventuellement tu peux envoyer tes chiens sur ces catapultes, je veux bien quand même. Ah oui. Mais... Certes, là j'ai un chien qui est en train de se faire défoncer la tronche. Oui, moi c'est le chien de base. Et lui t'essayes de le décaler pour aller choper sa catapulte. Sauf qu'il me bloque le passage. Si, non, c'est bon. Ah, oui. T'as un tout petit passage éventuellement. Laisse-moi passer. Aïe, ces gyro bombardiers vont arriver dans la mêlée. Merde. Pause. Ça va piquer. Et qu'est-ce qu'ils font les. Non, mais ils sont dessus, mais le truc c'est que les gyro bombardiers vont plus vite. Aïe. Bon, j'ai une unité de ghoul décrypte qui a pris un peu ça. Non, c'est bon, les loups sont sur la cata. Nickel. Parfait. Aïe. C'est toi le vent là? Ah non, ah non, c'est lui. Il a de nouveau un tir de canon. Et il lui. Ouf. Il a fait mal à mes goûts là, salaud. Comment ça vous récupérez vous? Que nenni. J'aime bien les vargoulfs avec une démarche chaloupée. Chaloupon. Chaloute. Ah, ça y est, il y a un gyrocopter qui dégage. Pourquoi toi tu. Bah, ça tombe bien, c'est celui qui a pas lâché ses bombes donc. Bah oui, puisqu'il est pas allé dans la mêlée. J'en ai un qui est un vargoulf qui a un peu un problème de morale. Hop. De morale? Non mais c'est bon, je remonte et je. Oui c'est qu'en fait il y a le lord qui. J'ai l'item qui. La couronne de commandement sinon. Ok. Non, c'est bon. Je l'ai remonté et puis il est reparti. Comme en 40. Sur les chiens, t'as des querelleurs qui ont. Des querelleurs qui ont récupéré. Mais j'attendais qu'il ait terminé. La cata est en déroute totale. Son lord, je vais le tuer à coup de. Non! Putain! Il y a les gyrocoptères qui sont passés au-dessus juste à ce moment-là, c'est eux qui ont pris le buveur d'esprit. Ah. Ouais, salaud. C'est pas. Non, mais bon, c'est pas optique. Ça sert pas à grand-chose. Oui. Allez, bon, on remonte et on revient. J'ai eu claqué une régène à la vargue. Ouais, très bien. Ouf, putain, le tir. Ah, il en avait encore un, putain, le salaud. Hop. Allez. Et on remet le son. Badaboum, 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 badaboum. Boum. Elle est à 120 vitesse là, je lui ai filé un petit bonus. Non, mais lui, il est de toute façon, il est en train de fuir. Ah, on va essayer d'en casser un peu du coup, si possible. On poursuit. Toi t'as les unités pour, donc... Faut tenir à moi aussi. Oui, sauf que toi les tiennes, elles sont un peu... mal en point.
C'est de la goule et ça régène. Donc, Ouais. Alors, tac tac tac. Ah, j'ai vu compère Kachu. Cela, tu les rattraperas pas. Ça se tente quand même. Ah, il y a une unité là-haut encore, il y a des longues barbes. Je vais envoyer le Blade Coach dessus. Bon, c'est bon les loups, vous avez fini de jouer avec la nourriture là? Nom 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 nom. Hop, ça fait. Il est résistant son seigneur, il n'a rien. Il a été résistant. x4 peut-être, je sais pas si. Oui, pardon. Les horreurs des cryptes là, vous pouvez le terminer là. Quoi? Non, il restait, il y a un long barbe, il courait autour. Hein. Oui! En agitant les bras. Ça tombe les longues barbes, putain. Après, j'ai le dernier modèle qui va résister pendant 50 ans. À deux points de vie? Non, c'est bon. Ah, bon. Ouais, en fait, c'est avec son canon qu'il aura fait le plus de dégâts. Capacité d'armée à la. Ouais. Ouais, c'est pas mal les Mordgul. Ouais, c'est des bonnes unités, hein. 109 morts, 18 000 de dégâts. J'ai perdu un loup. Ouais. Peut-être, c'est même pas sûr. Je pense que tu devrais pas avoir trop de difficultés à prendre la garnison derrière. Ça devrait aller. Logiquement. Chef, on est tous 23, qu'est-ce qu'on fait? On résiste. Chef. Ouais, mais 23, dont 5 gyrocoptères, hein. Ça peut faire du dégât, 5 gyrocoptères. Et dans nos gyrocoptères, on pourrait pas se barrer, tout simplement? C'est ça. Non. C'est... Non, mais qu'est-ce qu'ils croient, les mecs, quoi? Bah, on peut se barrer à 6, quoi. Et... Vous avez jamais... Une personne par gyrocoptère. Vous avez jamais lu Dune, quoi. Dans un ornithoptère. Oui, et bah, mais on... c'est pas un orni, c'est un gyro. On met bien plus de gens que prévu et on sauve la. Ouais, mais tu sauves pas les moissonneuses, alors du coup. Tu sauves pas les moissonneuses, c'est pas faux. Mais bon. Tu sauves au moins les noms. Et mais les noms ne sont pas morts. Des sous. Alors, deuxième attaque ou pas? Logiquement. Ça lag. Voilà. Alors celle-là, par contre, on la fait pas. Celle-là, c'est... Tu fuis? Ah bah non, c'est Thorgrim qui attaque... Qui attaque Iron Rock, comme prévu, donc... Ah d'accord. Et qui va s'y installer, comme ça, lui, il ne pourra pas fuir. Oh là là, qu'est-ce qu'il est maléfique, cet homme. C'est lui qui a commencé. En es-tu sûr? Ah oui. Moi je lui ai pas déclaré la guerre, c'est quand l'invasion démarre et qu'il a déclaré la guerre à tout le monde. D'accord.
Ah, on est passé sous la barre des 100 en faction. Migration. Perte de contrôle. Pff, ça, je m'en fous un peu. La migration chez les morts-vivants. Je trouve ça quand même concept. Ah, y a plus de Khemri. Bah, Nagash a dû le finir. Ou Scarbrand. Ou Scarbrand. Cognipier, ouais, je sais. Ah, j'ai récupéré un de mes bons seigneurs. Mon bon seigneur. Mon bon seigneur. Ouais, attaque de mêlée plus 8 pour les moines de la peste. Ça faisait 10 tours que je le cherchais celui-là. Et maintenant, qu'est-ce que je cherche? Pourquoi est-ce que je faisais tout ça? Pour consigner les recettes efficaces qui me fait usure moins 10%, conduit à recruter plus 2 pour les prêtres de la peste. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça, moi? Pour aller ah oui, chercher pour ce les qu'il y a plans après, oui. pressifs. Pour les plans pressifs. Oh putain. Bon, il repart pour une grosse, hein. Peut-être pas Peut-être pas tout maintenant. de suite, j'imagine, oui. Peut-être pas tout de suite. Garde-la sous le coude et puis on... Bah, donc, de toute façon, je l'encercle. Puis, je vais voir ce que j'ai à faire contrat avec mes deux autres scry armées. Reçu. Oh, un contrat scry, hein, ça... Pestilence, hein, je vais te dire Pestilence, j'en ai tellement rien à secouer. Qu'à la limite, je veux bien remonter mon opinion un peu. Tiens avec lui, par exemple. Parce que quand même... Oh putain, ça me fait remonter directement dans le vert. Vache. C'est efficace. Les contrats au niveau, c'est efficace. Hop. Toi, tu vas me la bloquer, s'il te plaît. Putain. Oh, naze. Hop. Allez. Snitch arrive. Tu vas pas comprendre ta douleur, Coco. Je pense qu'il va très bien comprendre. Ah, mais le truc, c'est qu'il est en train de s'enfoncer là. Bah oui, c'est bien le problème. D'accord. Enfin, je suis quand même. Oui, c'est que tu cours après en fait. Oui, mais je suis. En même temps, je recrute autour pour l'engluer dans des armées, quoi. Ouais. C'est... Ouais, tu vas l'engluer avec tes esclaves, quoi. Non, avec des guerriers des clans, avec. Enfin, je vois qu'une seule armée en train de recruter, là pour l'instant, c'est que de l'esclave, mais. Ouais, c'est pas faux. Non, c'est pour être sûr, hein, je voulais être sûr qu'on se comprenait bien. Hein. Parce qu'effectivement, Bessit, qui effectivement, il y a du guerrier des clans, mais il est complètement à l'opposé, lui, donc. C'est le problème de cette région, que j'ai rien d'intéressant dedans. Eh oui, ça, tu m'étonnes. Et tu veux pas lui péter sa ville là? T'avais trois armées autour tout à l'heure là. Plutôt que. Ouais, mais en même temps, c'est effectivement, si c'est des armées d'esclaves pour attaquer une ville, c'est parce qu'on a fait de mieux. Et Quick qui est en route plutôt que de finir de s'occuper de l'orc de la lune crochue qui est chez lui va traverser tout le désert pour aller s'attaquer à Doc Caraz. Tout à fait normal. Ah, ceci étant, je peux lui donner des ordres à Quick. Pas bien ça. Tu vas attaquer Kratomen et tu vas arrêter de faire de la merde. Bah pourquoi? Hop. Alors, on continue de recruter. Maintenant, je peux avoir des vrais frondeurs. Même s'ils sont... Ah non, effectivement, je pense que c'est... C'est Nagash qui a tué... Qui a fini Khemri. Et Salzburg, Sudenburg est encore en vie.
4, 2, 4. Ah oui, mais il y a les nains du sud aussi. Ouais. L'expédition qui, eux, sont bien développés. Bah, ils sont... Certains diraient qu'ils ont un peu triché. Bah oui, je veux dire, t'as d'autres mineurs qui sont pas développés autant, quoi. Pour du mineur, je trouve qu'ils sont bien développés. Là, il y a des cornes. Ok. Allez. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Est-ce que là... C'est quoi? C'est mon aiguille, j'ai une vraie garnison. Peut-être qu'il m'attaquera pas aussi facilement que ça. Oh, je... Oh là là. Je vais tellement... Tellement vilain. Si jamais ça fonctionne, ça va. L'embuscade avec le prophète gris tout seul. En bordure de ville. 50% de chance. En malentendu. Ah, d'accord. Oui, pour que du coup, tu te retrouves avec, avec l'embuscade. Voilà. Ce que tu ne pourrais pas faire, mais que tu te l'embuscade avec ta garnison. C'est ça. Bah, le truc, c'est que du coup, tu seras sûr de ne choper qu'une seule armée si en plus ça réussit. C'est ça. Bah, après, je suis pas certain que ça sera suffisant pour autant, mais. Oh, mais. Green tu top. Vas te taire, oui. Ah, il a plus de catapulte. Il a encore un canon, mais il a plus de catapulte. Alors. Oh, où est-ce que c'est planqué la mère Catherine? Ah, elle est là. Et c'est absolument pas planqué, en plein milieu de ton territoire. Je peux pas lui faire grand chose, ceci. Presque. Je peux T'es en quel terme avec le culte du plaisir? Alors, avec le culte du plaisir. Bah, c'est facile à voir. Hein. Ah, tu t'entends. Ah, t'es en passage avec eux, d'accord. T'es en accès PNA et commerce. Ok. Oh. Je peux le voir de moi-même donc. Je peux faire du commerce avec plein de points avec la Légion du Tertre. C'est Kemmler? Ouais. Oui, mais je sais, moi aussi je viens d'en faire là. Il voulait pas du tout, là je suis passé à 6 d'un seul coup pour faire du commerce avec lui. Je peux carrément faire une alliance militaire cash quoi. Ah, moi ça j'avais pas, mais. Il veut toujours pas que je le confédère ce con. Non, c'est même encore pire que tout à l'heure. Il va me donner des sous. Vas-y, réessaye. Deux. Attends, je viens d'essayer, je suis à moins 103 hein, donc. Ouais. Donc c'est niet. Je termine la diplo. J'ai toujours pas de confédération. Non, moins 43. Ah par contre, clan Skrir, je suis presque à faire la paix. Ah oui, la paix. T'as un gros pas en avant. Alors. C'est un peu cool. Ah d'accord, j'avais pas fait gaffe. Nagash, il est carrément monté. Il est passé de l'autre côté de la mer. Je vais aller chercher la mère Catherine. Ah, il est bien développé le bonhomme. J'espère je pense que je vais finir par la faire l'alliance avec lui. Bah c'est à toi en plus, tu peux le recruter à la fin quoi. Non, t'arriveras jamais à le confédérer, il est trop fort. Nagash? Ouais. Ben non, je peux pas le confédérer, c'est du roi des tombes. C'est pas faux. Je pourrais le vassaliser le cas échéant, mais en renfort 6, j'y crois assez peu. Et Scarbrand, il est renfort 66 sur 98. Allez, embuscade, paf. Je pense qu'il aura peut-être même encore moins envie de nous attaquer si on est allié. Plus de mère Catherine. Encore? Ouais. Bon, et puis on va peut-être s'arrêter là. Du coup, je vais les recruter ici. Ça me fera gagner du temps. Pour choper mon abomination. Bien. Ouais, parce que là, on a un gros, gros épisode quand même. Ah.
On a fait le ménage, là je vais me débarrasser. Alors, je vais lancer mon combat pour que... parce que sinon je vais l'oublier quand on va reprendre. Ça roule. Attends, je termine ça. Ça, je démolis. Je démolis. Si tu veux aller le reprendre derrière, enjoy. Hop. C'est bon. J'aurais pas terminé mon tour non plus, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave, il sera toujours temps de le finir après. Mais Tout sinon, à moi, le fait. truc, c'est que moi, quand on va reprendre, je vais Vas-y. penser que j'étais en train de poser le siège alors que je veux l'attaquer. Donc... D'accord. Alors, qu'on voit un peu ce que ça va donner. Bah, du coup, je quick save et je te montre. Ouais. Ouais. Et on montre à nos viewers. Voilà le prochain combat. Mon Rotaptor Dream. Il a pas déjà le buff avec. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas. Non, je l'ai Ouais. pas trouvé sur ce perso. Non, c'est mon nécromant justement qui l'avait chopé. D'accord. C'est l'autre nécromant qui l'avait chopé. C'est quoi ça? Sur Celui-là, c'est un la. tueur. Oh, ça va passer facile. Ah non, je suis pas très inquiet, hein. Mais Oh. c'est juste que je voulais l'avancer. D'accord. Ok. Mais c'est juste que tu m'as dit que non, parce que ce serait trop long. Ouais. Ouais. On a déjà eu un épisode d'1h05. Ça va. Ah ouais, en même temps, on l'avait promis sur le dernier que vu que le précédent était un peu court, on en sera C'est à peu pas faux. près. Allez, on vous fait des bisous. Bisous tout le monde, On espère à que la ça vous aura prochaine. plu et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Ciao, ciao.